Bonjour et bienvenue dans le cinquième coffre de l'ascendant de la semaine numéro 1. Coffre numéro 5, potentiellement et d'après moi un des plus durs à choper de toute cette session. Toute l'idée de base est que le chemin commence proche de la statue là-bas. Il y a plusieurs chemins pour y aller, surtout en arcaniste. J'avoue qu'en arcaniste c'est relativement simple. Donc on note le long de la falaise un chemin qui part à droite. Donc tout au nord de Rhea Silva, bien évidemment. Tout au nord de la Sylve de Rhea, pardon. À l'entrée du séjour de l'Harbinger. Qui n'est pas corrompu, bien évidemment, parce qu'on est en semaine 1, on note un petit chemin qui part le long de la falaise. Donc je vais tenter de suivre le chemin pour vous montrer le chemin global. Bon, bien évidemment, en titan, ça par exemple, ça se fait. En chasseur, il va falloir prendre le pyrobord ici. Très probablement. Faire attention à la branche au-dessus qui bloque. Ensuite, ici, hop, on va là. Donc là, en arcaniste, on peut directement agripper le sommet ici pour éviter de se prendre tous les bords. Là, il y a un chemin qui continue de l'autre côté. Il faudrait que j'arrive à le choper. Oui, j'y arrive. Et donc là, il faut suivre par ici. Donc après, en arcaniste ou en titan. En titan, par exemple, vous pouvez monter en vertical directement, ça marche. Hein. Il n'y a aucun problème. Par contre, ça passe pas. Où était le vrai chemin, legit? Ah, je me souviens plus du vrai chemin, legit, tiens. Il y a un vrai chemin. Ah oui, je suis bête, c'est derrière. Derrière au-dessus. Et on monte. Voilà. Donc là, on arrive à la statue qu'on a vue tout à l'heure. Hop, ici, et si on va vers le bord, normalement, quelque part par là, voilà, on va apparaître la première plateforme du chemin vers le coffre de l'ascendant, que l'on doit suivre. Attention néanmoins à toutes ces saloperies. Et attention au trou. Donc juste, le départ de ce coffre en particulier est extrêmement pénible, et le coffre est juste là. Il y a plein d'autres trucs qui feintent à côté. Le coffre numéro 5... numéro combien celui-là? Je sais plus. Le coffre numéro 5 du coup, de la Sylve de Rhea, se situe en plein milieu désert ici. Donc tout ce qui est au-dessus, on s'en fiche. Si vous voulez voir juste vite fait, bon. Parce que bien évidemment, on est un explorateur. Ici, c'est juste un passage qui permet de revenir directement sur la rive. Ça ne sert à rien, on peut pas partir d'ici. Et donc le chemin part de la statue là-bas. Juste à droite du séjour de l'Harbinger, si jamais vous venez de là. Sur ce, j'espère que ça vous a servi. Comme d'habitude, portez-vous bien, plein de bonnes choses, et à la prochaine, Sabre out.